ce n'est pas une palissade. Il ne viendra à l'idée de personne d'attaquer cette ville. C'est une grande digue. C'est pour empêcher les vagues du lac d'inonder la ville. Car la lune n'est pas à cette distance. C'est vraiment merveilleux. Oui. Cette ville est splendide. Alors, si tu es d'accord, on peut continuer notre visite. Ah oui, avec plaisir. Ce quartier était une ville. Aujourd'hui, c'est le 5e quartier de Tenochtitlan. Pourquoi tout le monde se dirige de ce côté-là? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est le marché de Tlalnepantla, le plus grand que nous connaissions. Approchez, approchez, maïs, maïs, pour maïs. Tu vois, c'est de ce côté qu'on trouve les objets en or. Maïs, venez voir, mesdames, messieurs. Plume, je dis plume, le super plume. D'accord. Tu as vu? Ici aussi, il paie avec des grains de cacao, comme les Mayas. Il est tout petit. Deux grains, c'est tout. Venez avec moi. Il est l'heure de se présenter au palais. Au palais? Allons-y. Il faut s'incliner profondément devant le grand orateur Montezuma. Il faut faire preuve d'humilité. Nous ne sommes pas les sujets de Montezuma et nous le saluerons à notre manière. Oh! Ne fais pas cette tête-là, nous sommes les envoyés du grand esprit et nous nous comportons comme tels. Maintenant, allons-y. Il faut respecter les coutumes, mais enfin, il faut pas exagérer. J'ai conduit jusqu'à toi les ambassadeurs du grand esprit. Bienvenue. Les prêtres et tout le peuple attendent votre message avec beaucoup d'impatience. Ne les décevez pas. Le message du grand esprit s'adresse à tous les hommes, quels qu'ils soient. Si mes engagements me le permettent, je viendrai aussi écouter le message de votre grand esprit. Je sais que vous repartirez tout de suite après. Je vous souhaite donc bon voyage et je vous salue. Héron Rouge, je te donne la permission de les accompagner. Je te remercie, Montezuma. Maintenant, vous pouvez vous retirer.
Ce Montezuma est un homme hautain et stupide comme un dindon. Voilà. Pour qu'il se prend. On dirait plutôt que cet homme est effrayé. Je crois qu'il sent que quelque chose de terrible va lui arriver. Oh. Si on laisse faire Mock, il va sûrement être victime d'un mauvais sort. Alors attention. Je suis content que mes amis croient en mes pouvoirs de sortie. Je me sens fort. Assez plaisanté. Oh.